Bonjour et bienvenue à l'émission Santé-Ville d'aujourd'hui où il sera question d'alimentation. Disponibles en toute saison, les fruits et les légumes sont un élément indispensable à notre alimentation. En effet, ils sont pleins d'eau, de vitamines, de fibres, mais aussi de minéraux. La recommandation est de 5 fruits et légumes par jour. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Et pourtant, si vous prenez au petit déjeuner un verre de jus d'orange, au repas du midi, une part de courgettes provençales et une compote, et pour terminer votre journée, quelques carottes râpées et quelques fraises, vous avez atteint les 5 fruits et légumes par jour, soit 4 à 500 grammes par adulte par jour. Sachez qu'en France, nous sommes bien au-delà de ça. Nous sommes à moins de 2 fruits et légumes par jour et par personne. Comment inciter les enfants à manger des fruits et des légumes? Vous pouvez par exemple les amener sur le marché pour leur faire découvrir la richesse des étals. Vous pouvez les faire participer à la préparation des repas ou encore soigner votre présentation. Des légumes cuits à la vapeur et servis tels quels seront forcément moins attirants que des légumes cuisinés. N'hésitez pas aussi à leur autoriser à prendre un peu de ketchup ou de gruyère râpée. Sachez également que les légumes surgelés ou en conserve ont autant d'intérêt nutritionnel que les légumes frais. Il ne s'écoule que 5 heures entre le moment de la récolte et celui de la mise en conserve. La semaine de la fraîche attitude est une semaine entièrement dédiée aux fruits et aux légumes. Cette année, elle aura lieu du 3 au 12 juin. Cette semaine de la fraîche attitude va vous permettre de rencontrer des professionnels, de retrouver l'envie de cuisiner. Je vous attends donc le vendredi 10 juin sur la Grand Place d'Armentières, jour de marché, au programme dégustation, infos recettes et infos nutritionnelles. Alors venez nombreux et à très bientôt.